Bonjour à tous, chers familles d'âmes. Bonjour à tous, bonjour Bonjour Sandrine. Antonio. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Ensuite, bienvenue pour cette dernière. C'est vrai qu'on arrive au terme d'une belle et grande aventure. Merci beaucoup Sandrine. Nous avons. Suis pas peu fière, Mais c'est sûr, tu nous as permis tous, notre grande famille d'âmes, de vivre cette aventure extraordinaire. Ouais, waouh. C'était une expérience, c'est une expérience extrêmement puissante, riche, Enrichissante. riche, et qui peut être perpétuée autant qu'on le souhaite. Il ne tient qu'à nous de continuer à pratiquer et à vivre toutes ces belles séquences que tu nous as partagées. À chaque fois qu'on refera ces 21 clés de reprogrammation, au final, hein, ce périple, ces 21 protocoles que nous avons faits, ce sont 21 clés de reprogrammation qui nous permettent à chaque fois de passer un palier énergétique supplémentaire et d'enlever des couches d'oignons les unes après les autres. C'était beau, hein? Ouais, c'était très fort, c'était émouvant d'avoir senti votre amour, votre énergie, Waouh, ouais. tous ces partages, c'est juste, c'est inouï quoi. On a envie de le revivre encore et encore et que ça ne s'arrête jamais, On tellement va c'est le beau, revivre, on peut le refaire tant tellement qu'on c'est veut. beau, exactement. Allez, ben, merci à vous de nous rejoindre si nombreux. C'est important aujourd'hui. Nous co-créons le monde de demain. Et nous sommes les guides de lumière qui allons créer ce monde de la cinquième dimension. Et comme je l'expliquais dans plusieurs vidéos, c'est par notre visualisation et notre ténacité, je dirais, c'est ne rien lâcher malgré les événements extérieurs qui peuvent nous déstabiliser. On doit rester droit dans ses bottes et droit dans sa visualisation. C'est le monde que je souhaite avoir pour demain. C'est le monde que nous co-créons. Je nous aime et nous ne méritons rien d'autre que ça. Nous méritons le meilleur et donc nous allons le faire tous ensemble. Sachez que l'énergie est hors espace-temps et que donc toutes les personnes qui vont à chaque fois faire cette méditation vont agrandir ce merveilleux cercle familial que nous sommes en train de créer, cette belle famille d'âmes. Alors, je vous conseille, si vous voulez bien, d'allumer une bougie. Si tu veux montrer Antonio chez nous, c'est fait, en signe de respect pour tous les Voilà. règnes et en signe de respect pour nos protecteurs que nous allons invoquer tous ensemble. Si vous le pouvez, je vous invite à faire cette méditation assis, le dos bien droit, les pieds sur le sol. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, mettez peut-être des dictionnaires pour bien avoir les pieds ancrés. Et puis, eh bien, très rapidement, nous allons fermer les yeux. Pour commencer, d'abord, je vais vous demander de prendre une grande inspire. Gardez l'air un petit peu dans les poumons. Et expire. J'en laisse certains encore s'installer. Et puis, dès que vous le pouvez, fermez les yeux et centrez-vous sur votre chakra du cœur. Vous êtes bien évidemment dans un endroit calme. On reprend encore une grande inspire. On garde bien l'air dans les poumons et on expire encore toutes les tensions. Nous allons commencer par invoquer notre cercle de protection et de pouvoir avec les sept directions sacrées. Devant nous, au nord, j'invoque Maître Saint-Germain, justement le guide de la cinquième dimension. Et il remplit notre cercle de protection et de pouvoir de sa flamme violette. Et nous le remercions pour sa guidance. Position 2, derrière nous, au sud, nous avons aussi l'annonciateur de bonnes nouvelles pour l'avenir, l'archange Gabriel, qui remplit notre cercle de protection et de pouvoir de son rayon blanc. Et nous le remercions. À l'ouest, en position 3, à notre gauche, nous avons la divine Mère Marie qui nous enlace de ses bras aimants et qui remplit notre cercle de protection et de pouvoir de son rayon bleu aigue marine et nous la remercions.
à notre droite, position 4, à l'est, le renouveau. Nous avons deux grands guerriers. Nous avons le saint patron des guérisseurs, l'archange Raphaël, qui remplit notre cercle de protection de son rayon vert émeraude. Et nous avons le prince de la milice céleste, l'archange Michaël, qui remplit notre cercle de protection de son rayon bleu roi, et nous les remercions tous les deux. Je vous invite à mettre les deux mains en namasté, en prière sur le chakra du cœur, et nous allons nous concentrer sur la position 5 au-dessus de nous, et nous invoquons l'univers, le grand tout, Dieu. Je vais faire une prière en disant « Je », merci de le reprendre à votre compte. Univers, merci de m'apporter la guidance, l'intuition. Merci de me protéger. Merci de m'apporter l'énergie pour moi, ainsi que l'énergie pour aider mon prochain. J'ai l'abondance d'amour, de joie, de gratitude, de santé, l'abondance financière. Merci. Position 6, vous vous concentrez sur vos fessiers sur la chaise ainsi que vos pieds bien ancrés sur le sol et nous invoquons la Terre-Mère et nous la remercions. Terre-Mère, merci de m'apporter la force, la sécurité, la confiance en moi. Merci de me nourrir au quotidien et merci d'absorber toutes mes mauvaises énergies. Merci de me bercer à ton rythme vers la cinquième dimension. Le ciel remplit notre cercle de protection de rayons dorés, tandis que la terre-mère remplit notre cercle de protection de rayons argentés. Nous allons abaisser légèrement le menton et nous centrer sur notre chakra du cœur pour invoquer la position 7, notre moi supérieur. Cher moi supérieur, merci de m'amener au quotidien vers la meilleure version de moi-même. Merci de me donner des signes, des intuitions, de me donner des synchronicités pour me guider. Ainsi soit-il. Vous pouvez poser les mains et ouvrir les yeux. Oh non! On va les refermer. Merci pour ce cercle de protection. Là maintenant, on est parti. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints en attendant. Et là maintenant, on est parti pour la méditation. Donc, sachez ceux qui nous ont rejoints que le cercle de protection se fait instantanément en envoyant l'énergie. Donc, c'est reparti. C'est maintenant qu'on le fait. Allez, on reprend une grande inspire, on ferme les yeux. On garde bien l'air dans les poumons et on expire. On sent toujours les points de contact des pieds sur le sol. Centrez-vous sur votre chakra du cœur et vous allez placer un soleil violet entre vos deux poumons. Ce soleil rayonne, il vibre, il grandit à l'intérieur de votre poitrine. Il est là, posé dans un écrin. Ressentez sa chaleur. Sentez son rayonnement. La couleur violette de ce soleil transmute toutes vos mauvaises énergies dans votre corps physique, mental, émotionnel et énergétique. Elle transmute la maladie en installant la santé parfaite. Ce soleil rayonnant grandit. Il grandit tellement qu'il dépasse les contours de votre corps. Vous êtes un immense soleil violet. Vous allez maintenant vibrer des sensations et des émotions en les ressentant au plus profond de vous.
vibrer l'amour inconditionnel, cet amour infini que l'on ressent par exemple pour un petit enfant ou pour un petit animal fragile. Vibrer cet amour inconditionnel. Maintenant, vibrez le pardon. Vibrez le pardon car on doit rompre tout lien toxique qui s'installe entre les autres et soi-même. Vibrez le pardon, c'est choisir en conscience de se libérer du rôle de victime ou de bourreau en rompant le lien bourreau-victime. Pardonnez-vous aussi tout ce que vous estimez avoir fait comme erreur. Vibrez le lien. Vibrez le lien car nous sommes tous interconnectés. Quand je te fais du mal, en réalité, je me fais du mal à moi-même. Nous sommes tous un. Vibrez la vérité, votre vérité, puisqu'il y a plusieurs points de vue. Chacun possède sa propre vérité. Vibrez votre vérité en demeurant ouvert au changement. Vibrez la foi. La foi, c'est lorsqu'on sait tout au fond de soi, lorsqu'on sait que tout est pris en charge, tout est juste, tout est là. La foi est intime, insaisissable, inexplicable, et pourtant la foi est universelle. Vibrez l'espérance. Ce soleil violet rayonne l'espérance d'un monde d'abondance, d'amour, de fraternité et de paix inter-règne. Vibrez la joie de se retrouver tous ensemble, la joie d'être dans un monde qui est déjà merveilleux. Oui, c'est accompli, c'est en chemin. Pour terminer, vibrez l'abondance. L'abondance de tout avec un T majuscule. L'abondance d'amour. L'abondance de santé. L'abondance financière. Vibrez l'abondance. La corne d'abondance ne se tarit jamais. Ressentez comme vous êtes un magnifique soleil rayonnant et vibrant de toutes ces belles énergies. Maintenant, à travers vos paupières closes, regardez partout autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Toute la famille d'âmes est présente. Nous tous qui sommes ensemble à l'instant présent, ainsi que toutes les personnes qui se rajoutent à chaque méditation, tous ces soleils violets ressemblent à un ciel constellé d'étoiles. Nous allons à présent former une ronde géante pour nous réunir. Toutes les personnes qui nous rejoignent à chaque méditation sont bienvenues. Nous leur réservons une place avec beaucoup de joie et de gratitude. À présent, vous allez tendre votre main gauche sur le côté gauche et immédiatement, un des membres de votre famille d'âme glisse sa main dans votre main gauche. Et vous ressentez une douce chaleur. Sentez ce beau lien
qui existe entre vous deux. Maintenant, vous tendez votre main droite à droite et constatez qu'un frère ou une sœur d'âme vient de glisser sa main dans la vôtre. Vos deux mains sont maintenant de chaque côté et vous sentez la chaleur de cette main tendue vers un frère ou une sœur d'âme. À travers vos yeux fermés, regardez votre compagnon de gauche et dites-lui mentalement « Je te vois. Merci d'être une si belle âme. Merci de faire partie de ma famille d'âmes. » Puis, balayez tout le cercle familial de gauche à droite avec cette même énergie de gratitude. Prenez le temps de faire le tour de ce beau cercle familial. Ne soyez pas surpris de reconnaître certaines personnes. Tout doucement, prenez le temps de ressentir l'énergie de chaque membre de cette merveilleuse famille. C'est un moment solennel et émouvant. Pour terminer, votre tête est tournée vers la droite. Adressez-vous mentalement à cette personne qui vous tient votre main droite et vous lui dites « Je te vois. Merci d'être une si belle âme. Merci de faire partie de ma famille d'âmes. » Recentrez votre regard et sentez à quel point vos deux mains chauffent. C'est tellement agréable de se sentir inclus dans ce cercle familial. Focalisez votre attention sur votre soleil violet. Vous êtes ce soleil violet. Et tous ces soleils violets font une ronde géante. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, nous formerons un unique soleil violet géant. 1. Je fais grandir mon soleil violet. 2. Tous les soleils violets sont liés. 3. Nous sommes 1. Un unique soleil géant violet. Ressentez la chaleur de ce soleil géant. Ressentez-le physiquement, comme on se réchauffe auprès d'une cheminée. Ce soleil est tellement immense qu'il couvre la totalité de la terre, transmutant instantanément toutes ces mauvaises énergies et parasites. Toutes les énergies discordantes sont transmutées. On ne distingue plus les contours de la terre-mère. Tous ces règnes sont immergés dans ce magnifique soleil violet géant. Cessez maintenant toute visualisation et laissez résonner en vous les mots de la prière pour la terre. Prière pour la terre. Que la puissante présence du I am consume tout ce qui ne lui ressemble pas et qu'elle remplace tout par la puissante perfection de Dieu. Qu'elle fonctionne de manière autonome, qu'elle manifeste en permanence son autorité et son pouvoir, et qu'elle débarrasse ce monde de tout ce qui est discordant, ainsi soit-il.
notre santé, ce soleil vibrant magnifique que nous formons tous ensemble. Il vibre l'amour inconditionnel et laissez-vous traverser par cette énergie. Ce grand soleil violet vibre l'amour, la fraternité, la paix, l'union, la vérité, la foi, la lumière, la joie, l'abondance. Tout est là. Tout est à profusion. Soyez dans l'accueil des mots. Nous allons terminer avec la prière de protection pour soi et l'humanité. Prière de protection pour soi et l'humanité. Je suis la puissance divine, invincible et infaillible. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Tout est harmonie autour de moi. Tout est la parfaite synthèse de l'énergie cosmique dans son intégralité et dans son moindre pétale. Par le Christ qui est en moi, par le Christ qui est en tous, au nom du Christ cosmique et universel, au nom de l'amour-lumière, je décrète la santé, l'équilibre, l'harmonie, l'abondance spirituelle et matérielle illimitée pour toutes les âmes. L'ordre et la justice de Dieu s'accomplissent. La lumière triomphe. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli, ainsi soit-il. Je souhaite vous faire prendre conscience que ce soleil violet persistera hors espace-temps. C'est une création de nous, avec un N majuscule, de nous la famille d'âme, de nous tous, à laquelle vous pourrez vous connecter à tout moment, pour y puiser de la chaleur, de l'énergie, de l'amour. À présent, lâchez les mains de vos frères et sœurs et mettez vos mains en namasté devant votre chakra du cœur. Avant de nous quitter, nous allons simultanément envoyer une énergie de gratitude pour remercier nos protecteurs, pour nous remercier les uns les autres, pour remercier tous les règnes, pour vous remercier vous-même, remercier la flamme violette. Merci, infinie gratitude. Toujours avec les yeux fermés, posez vos mains sur vos cuisses et constatez que la chaleur face à vous demeure. Le foyer violet est toujours présent. Il ne s'éteindra jamais. Abaissez le menton pour vous préparer mentalement à revenir parmi nous. Visualisez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Situez-vous par rapport au mur et aux différents objets proches de vous. Visualisez ce qui est en face de vous. À votre droite. Ce qui est derrière vous. À votre gauche, recentrez votre attention et tout doucement, vous allez commencer à bouger les doigts, reprendre une grande inspire, si vous le souhaitez, étirez-vous et quand vous vous sentez prêt, revenez doucement dans l'instant présent en ouvrant les yeux. Vous êtes beau.
Tu es beau. Tu es belle, ma chérie. Quel moment unique, magique et merveilleux. Merci à tous pour cette magnifique co-création du monde de demain et de maintenant, puisque c'est déjà accompli. Merci à vous tous de m'avoir permis de vivre ce moment extraordinaire des 21 protocoles de reprogrammation, ces 21 clés énergiques qui nous ouvrent la porte du monde de demain, de l'énergie de la cinquième dimension. Merci, je vous suis infiniment reconnaissante pour ce merveilleux voyage que nous avons fait tous ensemble. C'est inoubliable, c'est en moi pour toujours. Merci à tous, merci à toi Antonio. Merci à tous, c'était que du bonheur. Vraiment, je suis très ému. Ouais, merci. Merci et on reste connecté. Et ce soleil géant est là pour toujours. Namasté.